le fameux passage du Cambodge au Laos, ils essaient de te faire payer 2 dollars en plus, mais ça ne marchera pas. Eh bien, ça fait 2 heures qu'on attend, on est toujours coincé à la frontière. Bon, là, enfin, obtenu. De Laos passage de frontière, pas super évident au final, parce qu'on est resté quand même bien 2 heures. On nous demandait 1 voire 2 dollars en plus, sachant que c'est clairement de la corruption. Mais on a décidé de ne pas payer. Et au final, après 2 heures, ça a porté ses fruits. Donc nous voilà au Laos. On a essayé de caler tous les vélos sur le bateau. C'est pas super stable, mais ça tient quand même pour l'instant. Bienvenue au Laos. Ravitaillement bière au bord de la route. Bon bah on a dû décamper parce que l'orage arrive et ça arrive très très vite. C'est le nouvel an laotien, à savoir la fête de la mousson. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Comme quoi c'est assez millimétré, ça fait du bien. Ça va aller. J'ai le Mekong sur ma droite. Et il est vraiment très large, ça change du Rhône. Il doit faire un bon kilomètre de large. Dégouline, je viens de me faire asperger. C'est quand même une chance de tomber en plein nouvel an laotien où le principe est d'arroser les gens sur la route, sachant qu'il fait 40 degrés, la pire comme coutume. Pour une fois, je me pèle le cul, je suis pas mécontent. Un magnifique bord de route bien sale. Bienvenue au Laos. Bon, je dois avouer que c'est assez impressionnant, c'est magnifique. Moi, je pense que l'orage arrive. Je suis en train de manger dans la tente. La maison typique laotienne sur pilotis. Voilà, ça fait à peu près quasiment 40 km qu'on se tape de la piste. Alternance, poussière, gros cailloux. C'est juste... c'est supra fatigant. On est dégueulasse, je suis plein de transpi. Le sol, c'est n'importe quoi. J'ai les pieds vraiment sales.
Oh, c'est pas évident là. Je retire ce que j'ai dit à propos de mes pieds sales, il y a bien pire. Vas-y, monte tes pieds, Valentin. C'est dégueulasse. Allez. Bon bah ça y est, je repars pour la énième fois tout seul. J'abandonne tout le monde, ils partent en bus. Moi je pars en Thaïlande. Bye. Je fais un peu de stop pour parler à Vientiane, capitale du Laos. Pas mal. J'ai décidé de zapper une bonne portion du Laos en faisant du stop et en prenant un bus parce que la route n'était pas super intéressante. Il est 3h30 du mat et on me lâche à peu près à 10 bornes du centre-ville. Leur truc ici en Asie, c'est faire des stations de bus à perpète. En tout cas, c'est calme et il fait frais. Red wine and pizza, motherfuckers. Dernier mètre donc au Laos, un nouveau pays et un nouveau passage aux frontières. Bon, à partir de maintenant exactement, je suis censé rouler à gauche. Me voilà sur le Friendship Bridge qui relie le Laos à Thaïlande.